Apa, pour quelques familles très importantes, le nom de famille est très récent au Japon. Ce n'est que depuis l'époque de Meiji, il y a environ 100 ans, sous l'influence de l'Occident, que tous les Japonais ont dû se choisir un nom de famille. Quand les Japonais ont dû se choisir un nom de famille, beaucoup de monde ont choisi le même nom que leurs voisins pour ne pas avoir de nom là ou différent. C'est japonais, je pense, de vouloir être tous pareils. À cause de ça, beaucoup de gens portent le même nom. Quels sont donc les noms de famille les très connus? Allez, on découvre tout ça. C'est parti! Avant de commencer, on fait un petit jeu. Mettez la vidéo en pause et écrivez trois noms de famille japonais que vous pensez qui sont les plus communs. Vous pourrez voir si vous aviez bien deviné. Numéro 10, Kato-san. Il y a environ 400 000 personnes qui se nomment Kato. Kato veut dire Monsieur Fujiwara qui a déménagé à Kaga. Dans le passé, la famille Fujiwara a eu beaucoup de forces et grâce à ça, beaucoup de gens ont voulu avoir ce nom. Comme c'était devenu difficile de faire la différence entre toutes ces familles qui ont le même nom, on a différencié les Fujiwara en ajoutant au nom le métier ou la région où ils habitent. Par exemple, parmi les Kato plus célèbres, Kato Cha, un comédien très connu au Japon, ou Natsuki Kato, que j'ai présenté dans ma vidéo, eux sont les belles femmes japonaises. Numéro 9, Kobayashi-san. Ce nom de famille, qui veut dire le petit Taï, compte 1 036 000 de personnes. Si vous connaissez bien la culture japonaise, le poète qui s'appelle Issa Kobayashi est très populaire. Numéro 8, Nakamura-san. Le porteur du nom de Nakamura, qu'on pourrait traduire par au milieu de la forêt, sont au nombre de 1 053 000. Shido Nakamura, l'acteur de Kabuki, porte ce nom. Numéro 7, Yamamoto-san. Yamamoto-san ou le bas de montagne sont aussi très nombreux avec 1 060 000 personnes. Peut-être beaucoup de gens connaissent Yoji Yamamoto, le dessinateur japonais qui travaille pour la collection de Paris. Il est probablement le Yamamoto qui est le plus connu à l'étranger. Numéro 6, Watanabe-san. Dans le passé, il y avait un métier qui s'appelait Wataribe ou Watashibe. Le métier consistait à faire passer des gens de l'autre côté de la rivière. Et ce nom est devenu le nom d'une région, puis le nom d'une personne. Avec 1 073 000 personnes, les Watanabe, le 6e du classement. Ken Watanabe est un acteur ultra connu qui a joué dans le film Last Samurai aux États-Unis. Numéro 5, Ito-san. Monsieur Fujiwara de Ise. Je vous avais déjà parlé de Monsieur Fujiwara au début du classement. Ito-san est donc lui aussi tiré du nom de Monsieur Fujiwara et compte 1 084 000 personnes. Il y a une marque de fabricant de thé qui s'appelle Ito-en. Numéro 4, Tanaka-san. Tanaka, au milieu de la rivière. Peut-être vous pensiez c'était le nom japonais le plus commun, mais Tanaka-san est quatrième avec 1 356 000 personnes. Kakue Tanaka est un des anciens premiers ministres au Japon, ou bien Masahiro Tanaka, le joueur de baseball qui joue aux États-Unis, son Tanaka très connu. Numéro 3, Takahashi-san. Takahashi, le pont qui traverse très haut au bas du podium avec 1 425 000 personnes. Les Takahashi comptent parmi ses membres les plus connus Daisuke Takahashi, le patineur artistique, ou si vous aimez le manga, je suis sûr que vous connaissez Rumiko Takahashi qui dessine la main ou la main en demi. Numéro 2, Suzuki-san. L'origine du nom Suzuki est un peu compliqué. À l'origine, le nom Suzuki se disait Hozumi. Hozumi veut dire des épis de riz qui sont entassés. Dans la région de Kumano, on disait Suzuki et le nom a ensuite évolué en Suzuki. Les Suzuki
sont $1,809,000 au Japon. Ichiro Suzuki est un joueur de baseball qui joue aux États-Unis. Et je crois que vous connaissez aussi la marque Suzuki, le fabricant de voitures et de motos. Numéro 1, Sato-san. Environ 1,894,000 personnes portent ce nom, soit 1,6% de la population japonaise. Plus d'une personne sur 100 au Japon s'appelle Sato-san. Je pense qu'il y en a une dans chaque année scolaire dans l'école. Pour comparer avec la France, les Maltins, le nom de famille français le plus nombreux, est de seulement 229 000 personnes. Pourquoi beaucoup de gens se nomment Sato? Ce nom vient de Fujiwara Ryoshi. Le kanji Sa se dit Suke. C'est une manière un peu ancienne de dire colonel ou supérieur. Donc, Sato veut dire Fujiwara qui travaille comme chef. Les Sato les plus connus sont Koichi Sato, un acteur que j'aime beaucoup quand il est très amusant, ou encore Kayo Sato qui est talento, ou Maru-san. Elle est très jolie, n'est-ce pas? Elle est très connue aussi au Japon car, en fait, c'était un homme. Je pense vous êtes très surpris. Elle n'a pas fait chirurgie esthétique sur son visage. Je pense c'est vraiment incroyable. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et partagez à vos amis. Je suis très contente. Merci, à bientôt. またねー。